Bâtie sur 1,5 hectare, la paroisse Adna de l'église presbytérienne camerounaise du quartier Djongolo à Yaoundé affiche fière allure. En prélude à la dédicace de son temple prévue le 19 décembre 2021, coup de pinceau, de cruel, les travaux de réfection ici vont tout bon train. De la façade principale à la chapelle annexe, passant par la petite chapelle, l'état d'avancement des travaux est estimé à 95%. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la paroisse Adna, c'est plusieurs ouvrages. Et donc, l'élément central ou l'ouvrage central, c'est le temple, qui sera donc l'objet, qui fera l'objet de la dédicace. Et donc, pour parler du temple, les finitions du temple dans l'ensemble peuvent être évaluées à 95%. Parce que l'intérieur du temple est quasiment fini. Je ne parle pas des équipements. Les équipements, c'est autre chose, donc les chaises et autres. Et donc, il restera seulement à faire quelques petits travaux à l'extérieur. Le temple principal, quant à lui, est bâti sur une superficie de près de 1900 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 3000 places d'une mezzanine. Ce joyau architectural abrite également le bureau du pasteur, une salle de réunion, une salle de session et 4 blocs toilettes. Pour les autorités de l'église, il est question de présenter aux hommes des médias l'évolution des travaux. Le but, c'est de vous imprégner de l'espace qui fera l'objet de la dédicace qui est prévue pour le 19 décembre prochain. Rappelons que les activités ayant trait à la cérémonie de dédicace débutent le samedi 11 décembre 2021. Nous avons prévu, on va y loger 3 pasteurs.